Bonjour, bienvenue dans la vidéo d'Halloween. Littéralement Halloween parce qu'aujourd'hui on dessine Michael Myers dans différents styles. Mais non, c'est pas ça, on avait fait des nouilles. Ah ! Alors, tuto nouilles aujourd'hui, comment les cuire, quelle température pour avoir la meilleure texture possible sur vos nouilles. On okay. Se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Maxime de Monstres. Et aujourd'hui, il va dessiner Mike Myers, mon antagoniste. L'antagoniste que tu adores. Yeah. On est parti. Fais un Sims, wesh. Soul. J'ai jamais joué à ces jeux. Ouais. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, le 31 octobre? Qu'est-ce que vous allez faire? Ce jour-ci, parce que ça sort le 31. Est-ce que vous avez peur de sortir le soir, de rencontrer un petit Art le clown ou un Michael Myers, voire pire? Est-ce qu'on peut trouver pire que ça? Ouais, en vrai, je pense que dans notre monde, il existe pire que eux. C'est probable. Voilà, c'est les moments cool. On va faire une vidéo un peu joyeuse quand même. Un peu joyeuse quand même, c'est Halloween, allez sortir. Je vais quand même prendre un. Allez chercher des bonbons, des vieux bonbons que les gens ils gardent chez eux depuis 3-5 ans. Là vous allez avoir une chiasse monumentale. C'est vrai qu'une année, je suis parti dans une maison où il y avait des vieux qui donnaient des bonbons, mais genre, il y avait genre 3-4 ans facile de date de péremption, tu vois. C'est moi, ouais, mes parents m'ont toujours dit, un bonbon qui est pré-emballé, tu ne prends pas. Et encore, maintenant, les gens ils peuvent remballer les bonbons. Ouais. C'est pas censé être le. Moi j'avais eu des sous une fois, je me rappelle. Ah, c'est intéressant ça. Et c'était cool. Dites-nous en commentaire vous aussi, comment dire. Tu vois, je parle encore des bonbons. Petites aventures de bonbons. Voilà, pas de bonbons, mais genre Halloween, des petits facts comme ça. Oui, c'est jamais un poste bizarre Halloween. Bon, du coup, je le fais en Sims là. Ouais, fait Mike Myers Sims. Mike Myers, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Bizarre avec sa tueur, mais je sais pas l'aura du personnage. T'aimes bien son charisme peut-être. Le charisme, ouais. La musique, tout. Enfin, je trouve que c'est vraiment. Hein, pour moi, Halloween, le premier, de John Carpenter. Ouh, ils montent ses fesses, ah non. Ah non, pas mon dos. J'arrive même pas à monter mon dos. J'ai le scoliose, fils de. Oh. Peggy 18. Peggy 18. Ouais, il dessine bien ce temps. Poté. Vous avez vu dans le fond, il y a Michael Myers. Waouh. On l'a mis pour la vidéo, si vous avez pas compris. T'as capté. Du coup, je sais pas vraiment comment représenter les Sims, à part qu'ils sont toujours genre. Yeah. C'est bizarre parce que Michael Myers n'a pas d'expression de visage. C'est pour ça qu'il a un masque neutre, ouais. Comme celui-là derrière, de toute façon. Mais du coup, je sais pas comment le représenter en neutre. Il n'y a pas de Sims neutre, j'ai l'impression. Ils sont tous. Mais du coup, bah, il sera pas neutre pour la première fois. Non. Donc les puristes de Michael Myers vont t'insulter tout ton arbre. Non, s'il te plaît. Pas stylé quand même. Faire un bras plus haut que l'autre, si je suis avec la gomme, ça va. Je déteste moi les Sims. Enfin, j'ai jamais trop joué, mais je trouve pas l'intérêt. L'intérêt, ouais, tu fais une famille ou des gens. Ça peut être marrant, mais jamais testé vraiment. Désolé à ceux qui aiment les Sims, moi je donne toujours mon avis honnête. Il est honnête le monsieur. Du coup, voici je pense mon petit Michael Myers en Sims. Bah il est stylé wesh. Je fais juste un portrait, hein. Faut pas déconner non plus, hein. Je vais pas le faire en entier. Je vais juste lui faire le petit diamant au-dessus là. Voilà. Putain vas-y. Soul. C'est Michael Myers dans ta rue. C'est ton voisin. C'est ton copain maintenant. Bah lui il est cool, ça doit, celui-là va pas te tuer le 31 octobre. Ah on sait pas, ça dépend les modes que t'installes. Donc voilà, le premier est fini. Est-ce que t'as une autre recommandation de style? Je sais que tu voulais que je le fasse en catcheur. Ouais, en catcheur, allez vas-y, ça serait rigolo. D'ailleurs tout à l'heure on est parti à Smith Toys, on a failli acheter, enfin j'ai failli acheter des figurines de catch. Intérêt zéro. Il s'est retenu. Mike Myers. Il y avait une bonne vidéo de... Il a fait une vidéo sur Halloween justement. Et il parle un peu des histoires. Il y a une personne, elle avait tué quelqu'un, vraiment avec un vrai masque. Elle avait mis un masque d'Halloween, il y a longtemps. Ah ouais. Et les policiers lui avaient demandé pourquoi un masque. Et elle avait répondu qu'en gros, la nuit d'Halloween, c'est pas... Surnaturel. Surnaturel. Inaturel. Surnaturel de voir quelqu'un avec un masque. Ouais, c'est vrai. Tu vois, pour justement dissimuler son identité et pouvoir essayer de faire le crime parfait. Mais c'est vrai qu'un mec avec un masque... Le 18 juin. Ouais, j'avoue. Dans la rue, c'est un peu bizarre. Que le 31 octobre, c'est vrai. C'est vrai que là, ouais. Donc faites gaffe, hein, parce que si vous avez des ennemis, ils peuvent mettre un masque d'Halloween. Si vous avez le 31 et venir vous buter pendant que. Faites attention. Vous êtes sur vos chiottes ou pas. Sur les chiottes, ça serait vraiment chiant, quoi. Ouais, c'est le cas de le dire. Oh. Il n'a pas fait attention. Ce serait quoi son finisher, Michael Myers, tu penses? Toi qui connais bien ses moves. Ouais, je pense que, en termes catcher, enfin, ce serait une prise de catch, ça pourrait être le shock slam, en vrai. Shock slam, genre. Parce que quand il prend comme ça et qu'il plante avec son couteau contre un mur, le fait de porter comme ça une main. Ouais. Eh ben j'aurais jamais cru voir Michael Myers en slibard, mais voilà, c'est une chose faite. Attends de voir sa tête avant quand même. Ouais, mais bon, je vois déjà le slibard. Et ça te plaît? T'aimes bien? Yes. Yes, yes. Une vidéo de moi sur ta chaîne sans paix n'est pas une vidéo. Oh non. C'est toi. Non. Non, ça va, je pense qu'on l'a pas entendu. Mais tu vas le sentir. Je mets tellement de temps à dessiner qu'il regarde des stories et qu'il répond des messages, vous avez vu? C'est dingue quand même. C'est dingue. Donc, vu que c'est Michael Myers et que c'est un catcheur, il aura un masque de luchador. Tu sens pas l'odeur de merde là? Non. Bah, c'est bien. Respire pas, mec, alors. Breathe, dude. Comment faire un masque de catch? Comme ça, on laisse la bouche. Un catcher avec un couteau. Ça pourrait arriver. Ouais. Du coup, c'est une bonne façon de gagner le match. Hein. Halloween. Halloween. Ça se pas fait chier, mais c'est vrai que sur le nom. Bah, ça se passe à Halloween. Bah, ça se passe à Halloween, donc ouais, non, mais le titre, il
il est magnifique, tu vois. Il y a beaucoup de trucs comme ça, genre Vendredi 13, t'as vu? Ouais, mais ils ont essayé dessus pour moi. Ouais, non, je vais me faire des ennemis. Non, ils sont quand même bien les films. Et ils sont partis, bah, après, j'ai regardé ça, mais sur la saga Michael Myers aussi, c'est parti un peu en couille. Ouais. Les films, moi, je regarde de toute façon que le premier. Et les suites, là, on va dire vite fait, de David Gordon Green, mais encore, c'est pas ouf non plus. L'Halloween 2018, il est bien, Kill. J'aime bien, mais bon, ça a perdu un peu toute crédibilité parce que le personnage de Michael Myers, logiquement, c'est The Shape, la personne qu'on voit pas, c'est une ombre. Et là, dans Kill, on le voit en full 4K, machin, buter des gens. Donc c'est un peu con. Et Halloween Ends, c'était un risque à prendre de changer le personnage. Et moi, j'ai pas vraiment aimé, quoi. C'est surtout qu'en plus, il se fait démolir sa gueule. Spoiler pour un film slasher. Ouais, ça va, il est sorti en 2022. Vous l'avez toujours pas vu, ben allez pas le voir de toute façon. Très bien. Ce qui a aucun intérêt. Parce que le mal ne peut pas mourir, et là, en fait, en deux, enfin, surtout la scène de fin où il se fait vraiment casser la gueule dans la cuisine, quoi. Et qui comme ça là avec le couteau. J'avais montré le film. Tu vois, un fan comme moi du personnage, enfin surtout du premier film, c'est vrai que là tu te dis oh, putain, mais qu'est-ce qui est devenu, quoi, le pauvre. C'est censé être une sorte de d'entité. Ils l'ont pris ses fesses et oh my god, ouf. Ok, ben, voilà le petit Michael Myers catcher, hein. Qu'est-ce que t'en dis? T'as envie de lui faire une souplesse? Enfin, il est très musclé et très bizarre. Michael Myers en slibard, les gars. Vous pensez le voir un jour, ça? Eh ben, je l'ai fait. Alors, on en fait un troisième. Mario. Michael Myers dans Mario. Mario Kart. Ah, tu vas me faire dessiner un kart. Est-ce qu'il y a un truc iconique dans Halloween où il y a une sorte de voiture, peut-être? Non. Je sais qu'il vole la voiture d'une île de fou au début du film. Et il stalk un peu avec la voiture, il suit un peu Laurie Strode dans les rues de Haddonfield. En tout cas, je vais lui faire un corbillard. Parce que, un corbillard pour accompagner les corbes. C'est pas con. Au crématorium ou autre, hein. Pourquoi crématorium? Pour transporter un corps. Non, mais ils vont pas forcément se faire voler, les potes. J'ai une question. T'es bof, tu te fais incinérer ou enterrer? Je me suis toujours dit que j'avais pas envie de me faire incinérer. Justement, je préférais, je pense, être dans un cercueil. Ah ouais. Après, ah, ça va, moi aussi. Je me dis, le corps et l'âme, c'est différent. Ouais, moi aussi. Le corps n'est qu'un véhicule pour l'âme. Un véhicule? Mario Kart! Mes voisins, ils vont dire, lui, c'est un fils de fou, donc deux maintenant. Qu'est-ce que j'ai hâte qu'il se déménage et qu'il ne vienne plus avec son pote là? Je sais vraiment pas dessiner les véhicules. Ah, t'es une grosse merde, hein, merci. Niveau voiture, tiens, c'est vrai ça. Tu vois, pour une fois, j'étais sur un terrain que tu connais pas bien. C'est ça. Tu dessines des trucs de fou, mais des voitures. Des voitures, non? C'est vrai. Ben, merci de me le rappeler. Comment ça se fait que tu sais pas dessiner des voitures? Je sais pas. C'est vraiment. Tu dessines des trucs genre plus compliqués que ça, mais une voiture, bordel de merde. Je galère à dessiner ce genre de trucs, tu vois. Ce sera amélioré un peu. Ah, parce que désolé, mais là, je... Oh, ça va, hein, je fais ce que je peux, hein. Alors... Fais pas le bonhomme qu'il y a déjà dans Mario qui ressemble à Michael Myers, parce que je sais qu'il y a les masques. Ouais, ouais, masques, ouais. Non, t'inquiète. Ouais, fais pas lui, hein. Non, regarde. Fais vraiment le Myers, ça. On va faire un nez comme Mario, mais là, c'est son masque, hein. Il a un masque quand même. Oui, bah oui. Michael Myers sans masque, c'est pas Michael Myers. En vrai, je vais pas lui faire de bouche, parce que quand ils sont stoïques dans Mario, il y a pas de bouche. Un peu comme les Pianta ou alors les Mascas. Et je vais lui faire des cheveux à la Mario. Putain, tu connais trop, toi. Moi, je connais Mario, Luigi, Waluigi. Moi, j'ai grandi avec Mario, c'est. J'ai grandi avec Pokémon. Et c'est quoi ton Pokémon préféré, mec? Pokémon préféré? Bah, déjà, c'est pas un Pokémon de la 9ème génération. Je pense que, à force, les gens, s'ils ont vu toutes nos vidéos sur Pokémon, ils savent que t'aimes. Ouais, en vrai, à chaque fois, je le dis, la 9ème génération, genre. Ah, j'ai la Switch, hein, pourtant, je pourrais l'acheter et jouer, mais. On est aucunement envie. Putain, ils ont fait des Pokémon. Le Pokémon légendaire, c'est une putain de moto. Tu l'as dès le début du jeu. Ah oui. Alors qu'avant, les Pokémon légendaires, c'était, il y avait une histoire, il y avait de la mythologie, il y avait des trucs incroyables. Mais bon, c'est un détail. Alors, pour le moment, c'est pas fou. Et pas du tout. Je sais pas si ça ressemble à Mario, en fait. C'est dans ça. Bah, ça ressemble à Mario Kart, ouais, quand même. Un peu. Mario Kart. Hop. On dirait une vieille grand-mère. On dirait plus la grand-mère à. Putain, c'est dans quoi ça? Quel dessin animé? Post Pirou ou un truc du genre? Enfin. Bonne question. En tout cas, voilà Michael Myers dans Mario Kart. T'arriverais à le faire en mode de monstre accompagné? Je sais pas s'il y a vraiment un style. Ça serait fou. Est-ce que ça arriverait? Bah écoute, je pense que en dernier style on peut faire ça. Bien, ouais, Katz, je pense que c'est bien. Qu'est-ce que vous en pensez, bande de gentilles personnes? Ouais, s'il te plaît. Alors, ce qui est intéressant dans Monstres et compagnie et tout, c'est quoi? Dans les Pixar, c'est que tout est fait à base de forme. Donc, tu vois forcément le mec. Bon, hey, j'avais une prof, elle ressemblait à Germaine. Ouais, j'avais vraiment une prof de management. STMG, jugez-moi pas. Personne ne jugeait, pas de jugement ici. Ben, Babrazowski. Babrazowski. J'allais dire quoi avant que je te coupe? J'allais dire que. De façon impolie. Dans Monstres et compagnie, et dans tout ce qui est Pixar, il se base surtout sur les formes pour créer des personnages. Bah, j'ai rien compris. Une forme, mec. Ah ouais, si, j'ai compris. Voilà. Le con. Non, j'ai juste mon urètre. Mangement. J'ai plus de ma. Est-ce que je lui fais un nez ou je lui fais pas de nez? Ouais, fais-lui un nez. Putain, vraiment une tête de merde. C'est limite, tu te fous de sa gueule. Il est Halloween comme ça, tu rigoles. J'ai dit putain, mec. Je vais lui faire une plus grosse mâchoire. Oh putain. Ah, c'est pas le style le plus simple, hein. Non, il y a une tête de boîte aux lettres. Waouh. Je sais pas comment tu fais, t'es un génie quand même, parce que moi tu m'avais demandé le même exercice, pff,
Déjà, j'aurais même pas su dessiner Mike Myers déjà dans son style à lui. Après, c'est différent, hein. C'est tout un art de se rendre compte de comment faire un autre style. Mais du coup, oui. Au final, c'est qu'un masque dans ce monde. Donc en dessous du monstre, qu'est-ce qu'il y a ? Le mal. Mais le mal, il ressemble à quoi ? Et si on faisait une sorte de truc bizarre avec des tentacules ? En train de défoncer mon personnage préféré. Je le rends maléfique, je le rends en monstre. C'est un peu comme un Mimikyu, tu vois. Ah, mon pauvre Michael Myers. Mais non, il y a des tentacules, c'est bien. Préfère, en tout cas, ça restera peut-être le Sims. Hein. Ok. Celui qui dénature vraiment moins le personnage, tu vois. Très bien, bah écoute, c'est vrai. Il en manque un sur le côté. Non, mais regarde ton écran. Là, c'est vide. C'est vrai. Le bonus, ça serait vraiment de faire Michael Myers de la pire manière possible. Enfin, pas la pire, mais la plus creepy. Ok. La plus hard. La plus sanglante. La plus sanglante. Ok. Du coup, petit round bonus. Michael Myers dans le style le plus sanglant, le plus terrifiant que je puisse faire. En sachant que je sais pas trop faire tout ce qui est terrifiant. Un petit peu quand même, mais pas trop. Il est nul. Je suis naze. Je vais juste faire le visage de Michael Myers, je pense. Bah ouais, juste, non, ouais, j'étais juste la tête. Hein. Le masque, genre, vraiment le plus... Alors, les masques, je sais pas s'il y a des fans de Michael Myers dans la salle. Mais moi, c'est vraiment Halloween 1. Halloween 2, à la limite. Et après, les masques de la série Gordon Green sont quand même vraiment pas mal. Je peux pas cracher dessus, ils sont juste derrière moi. Donc, il y en manque juste un, c'est celui de 2018. J'ai failli l'acheter pour ce Halloween-ci, là, de 2024. Pour avoir au moins les trois, on va dire, dans ma collection. Et je l'ai toujours pas fait parce que c'est quand même assez cher. Entre 100 et 120 euros le masque. Et sur le site Trick or Treat, il est vraiment pas cher. Il y a, je sais plus combien de dollars. Une cinquantaine à peu près, je pense. Mais il livre pas en France. Il livre que aux États-Unis et au Canada. Tabernac! Mais quand je t'ai dit peur, ouais, c'était vraiment pas fait. Ouais, ça fait vraiment peur à moi là. Ah oui, ça fait peur à toi là. Ouais, il est vraiment bizarre en fait. C'est vraiment bizarre. C'est vrai que j'aimerais pas être avec lui là. Je sais pas s'il va me tuer ou me. Te séduire. Je pense pas qu'il y aura l'étape de séduction. Bon, du coup, c'est lui qui fait peur. C'est le moment le plus terrifiant de la vidéo là. Ouais. Si vous êtes encore là, c'est que vous êtes courageux donc vous avez intérêt à mettre un like. C'est la contrepartie de rester. Non, longtemps. Il tape chez vous là dans 5 minutes là. Planquez vos mamans. Non, franchement, il est bien. Il me fait penser à ceux qui connaissent aussi. Il me fait penser au DLC de Outlast. Il y a un mec qui essaye de reproduire sa femme, je sais pas quoi. Et il y a un peu cette tête là, tu vois. Ah ouais, franchement, et t'as fait exactement lui. Je suis en train de faire des cheveux bizarres. Ouais, non, mais c'est vraiment pas ton vraiment là. Il est beau, tu vois, ce dessin là. Moi j'aime bien parce que celui dans la voiture de tout à l'heure là, t'étais pas inspiré, mes gars. Désolé. Peut-être que ça se rattrapera ou proche. Ouais, ça va se rattraper au proche. Alors, bah, je pense qu'on arrive sur la fin là. Hein, non, franchement, il est bien. I love this. Eh, mec, il est cool. En vrai, t'as créé un personnage en vrai là. Non, en vrai, t'as créé un putain de bonhomme là qu'on pourrait utiliser. Eh, limite, ah ouais, viens, dépose un brevet avant parce qu'on se fait. Oh, c'est pas du tout Michael Myers, hein. C'est notre personnage. Mais, on l'a créé. Imagine, on crée un personnage comme ça qui on crée une histoire genre derrière, tu vois. Mais comment il tue les gens? Ouais, bah je te laisse écrire le scénario. Alors, en fonçant des cartes de crédit dans le... Ok, donc voici mon personnage de Michael Myers qui est totalement original et inventé par nous, donc copyright sur nous, on dépose un brevet. Le Carpenter, tu peux aller dire des cerises. Donc, lequel de ces 5 dessins vous a le plus plu? Moi, c'est le dernier en vrai. Putain, le dernier, t'as géré. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. J'avoue que j'aime bien aussi. Je pense que j'ai bien aimé le Catcher, moi, perso. C'était un honneur de te recevoir dans cette vidéo, même si je suis chez toi, finalement. Ouais, j'avais déjà fait cette blague la dernière fois. Eh oui.